face à vous maintenant, c'est le pont Saint-Michel, facing you now the Saint-Michel Bridge. Il a été inauguré sous Napoléon III, ce qui explique les deux grands M's impériaux sur chaque pilier. It was inaugurated under the reign of Napoleon III, and that explains the two big N's on each pillar. Et il mène sur votre droite au quartier latin, un quartier que je vous recommande. And it leads on your right to the Latin Quarter, and I highly recommend you to go there. Maintenant, c'est le plus petit pont de Paris, très sobrement appelé le Petit Pont. Facing you now, the smallest bridge of Paris, simply called the Small Bridge. Et surtout, attention à vos têtes car il s'est déjà effondré 11 fois. And beware, it has already collapsed 11 times. I hope today it's not the 12th. Et juste après le petit pont sur votre gauche, vous pourrez voir le joyau gothique de Paris, la cathédrale Notre-Dame. And after the small bridge, on your left, you will be able to see the Notre-Dame Cathedral, the Gothic jewel of Paris. A commencé en 1163 grâce à l'évêque de Sully et s'est achevé 2 siècles plus tard. Its construction began in 1163 thanks to the Sully bishop and it ended 2 centuries later. La cathédrale est bien sûr connue pour ses statues et ses gargouilles, mais aussi et surtout pour sa grande rosace de 13 mètres de diamètre. Cette rosace est composée de 32 000 morceaux de verre. This cathedral is known for its statues, its gargoyles, but also for its big rosace window of 13 meters of diameter,